il passe. Il arrive, le magnifique King of Fighters 12, mêlant HD et 2D avec bonheur, devrait sortir le 2 juillet prochain sur PlayStation 3 et Xbox 360. C'est Core Media qui se chargera de la distribution du jeu en France. 2009 sera définitivement une année riche en émotions pour les amateurs de jeux de baston, avec les sorties de Street Fighter 4, King of Fighters 12, mais également Tekken 6 prévu pour la fin d'année. Allez, juste pour le plaisir, admirez plutôt ces images. Qui a dit vive la 2D? C'est nous? Ah oui, c'est nous, définitivement nous. これまでの常識を覆す究極の2Dドットグラフィック操作用。システムでは相手の打撃を無効化するガードアタック。リアルな駆け引きを実現する総裁。カウンターヒットによって一定時間を思いのままにコンボを叩き込めるクリティカルカウンターなど、拳と拳のぶつかり合いをコンセプトにゲームバランスを追求。 そしてアーケードの20キャラに加え追加キャラクターが登場。疾走する残酷な美貌マチは白き光の導き手エリザベート。ゲームモードではアーケードVS プラクティスに加え Le jeu sur mobile fait de plus en plus parler de lui. L'explosion du iPhone a en grande partie contribué à la démocratisation de ces jeux et à leur formidable évolution d'un point de vue qualitatif et technique. On est désormais très loin des remakes de Snake et Tetris pour voir débarquer les plus grands classiques. EA Mobile a ainsi sorti ces derniers mois des jeux tels que SimCity Metropolis, Les Simpsons, Super Puzzle Bubble ou encore Doom. Des titres qui parlent définitivement aux gamers. Téléchargeables via l'envoi d'un SMS ou une connexion WAP au site EA Mobile, ces jeux restent néanmoins assez onéreux et largement inférieurs à ce qu'il est désormais possible de faire sur une plateforme comme l'iPhone par exemple. EA s'est d'ailleurs attaqué à cette plateforme en adaptant Sports par exemple ou SimCity Metropolis. Ils ont même sorti un jeu basé sur le dernier long métrage Star Trek. Mais d'autres éditeurs se sont également lancés corps et âme dans le développement de jeux sur la plateforme Apple. Comme Gameloft qui vient par exemple de sortir Wild West Guns sur iPhone et iPod Touch. Mais de nombreux studios de développement indépendants se sont également emparés du marché pour développer des jeux concepts souvent très intéressants. En ces temps de crise où les investisseurs se font rares, développer sur WiiWare, XBLA, DS ou sur les nouveaux téléphones constitue un bon moyen de sortir des jeux avec relativement peu de moyens financiers et humains. Mais l'iPhone n'est pas le seul téléphone qui cartonne en ce moment. Gameloft a ainsi annoncé il y a peu de temps qu'il supportait le lancement du BlackBerry App World en mettant à disposition des détenteurs de smartphones BlackBerry un catalogue riche de 95 jeux vidéo. Et l'air de rien, toutes ces plateformes commencent doucement mais sûrement à faire de l'ombre aux consoles portables telles que la PSP ou la DS. Il sera peut-être temps dans les mois à venir de s'intéresser plus régulièrement à ces nouvelles plateformes de jeux. Prinny, Can I Really Be a Hero est un jeu de plateforme action 2D qui se déroule dans l'univers délirant de Disgaea. Il met en avant non pas un héros ou une héroïne de la série, mais les Prinnies, les manchots explosifs. Et quel plaisir de retrouver l'ambiance et les personnages loufoques de la saga Nipponichi. Edna a envoyé ses troupes de Prinnies afin qu'ils lui préparent le dessert ultime. Les manchots Mazo vont donc devoir accomplir cette mission au plus vite, histoire de ne pas se faire éclater par la petite vampire. Distribué aux États-Unis par Nipponichi America, en France ce sera Kazé, fraîchement débarqué dans les jeux vidéo, qui s'occupera de la distribution du jeu en juin prochain. Enfin, une bonne nouvelle pour ceux qui n'espéraient plus une version pâle.
Takahashi Meijin ou Adventure Island en Occident est une série de jeux ayant débuté sur la Famicom. Pour la petite histoire, Hudson souhaitait au départ adapter Wonder Boy. Le seul problème était que le personnage blondinet appartenait à Sega. Hudson dut alors trouver un autre personnage et opta pour Toshiyuki Takahashi, plus connu sous le nom de Maître Takahashi ou Takahashi Meijin en japonais. Ce nom était celui d'un employé de Hudson qui avait établi un record de 16 pressions à la seconde sur Star Soldier. Depuis, la série s'est développée de façon autonome sans suivre l'évolution de Wonder Boy, pour donner naissance à de nombreux épisodes, que ce soit sur Famicom, Game Boy, Super Nintendo ou WiiWare. Adventure Island est un jeu de plateforme archi-classique. Il ne se joue qu'à deux boutons et nécessite donc de tenir sa Wiimote à l'horizontale pour simuler ce bon vieux pad NES et retrouver cette si douce sensation rétro. Le bouton 1 permet de jeter des armes ou, si l'on maintient la pression, d'accélérer. Le second bouton permet quant à lui de sauter. Un système de jeu très archaïque qui n'a jamais vraiment changé dans les Adventure Island. Au fil du jeu, le petit homme préhistorique à casquette voit son niveau de santé diminuer. Le seul moyen de le remonter est de lui faire avaler des fruits. Par chance, il y en a un peu partout éparpillés sur son chemin. S'il n'arrive pas à se rassasier, il meurt littéralement de faim. L'autre difficulté est que s'il se fait toucher par un ennemi, le joueur perd sa vie tout de suite. Il faut reconnaître le terrain avant de pouvoir espérer maîtriser ce jeu de plateforme. Takahashi peut aussi utiliser des projectiles afin de se défaire des monstres féroces pullulant sur son parcours. Chacun possède une spécificité unique. Le boomerang va et vient, la lance permet de tirer loin, la hache dispose d'une force de frappe exceptionnelle, et ainsi de suite. Ces armes apparaissent lorsque l'on fracasse un œuf. C'est curieux, mais c'est comme ça dans Adventure Island. D'autres surprises sortiront de ces œufs de dinosaures, comme le fidèle skateboard qui permettra de filer à la vitesse du vent. La fée rend notre héros invincible alors que l'aubergine magique pompera toute sa vitalité. Dans cette version WiiWare, on peut également trouver des mini-jeux jouables à plusieurs, en local comme en ligne. Jeux de skate en vue à la troisième personne ou encore lancers de Tomahawk en simili FPS, ils sont variés et permettent de découvrir le jeu sous un autre angle. On ne pouvait que se réjouir de l'arrivée d'un nouveau titre Adventure Island. Après tout, cette série nous a fait vibrer sur beaucoup de supports. Non content de retrouver notre maître Takahashi, Hudson nous propose une aventure inédite et on ne peut que se féliciter d'une telle démarche à une époque où les éditeurs remake à tout va. Par contre, il faut bien avouer que la recette ne prend pas et on se sent vite lésé. Le jeu n'est pas très maniable et ne semble pas répondre avec la précision d'antan. De plus, la difficulté est mal dosée. On passe les premiers stages finger in the nose alors que les suivants tiennent vite de l'épreuve herculéenne. Le traitement 3D du soft n'est pas vraiment approprié, notamment lors des affrontements avec les boss où l'on a du mal à appréhender la zone de collision sur le personnage. C'est d'autant plus dommage que la version GameCube sortie au Japon fin 2003 était une franche réussite. Il aurait peut-être fallu reprendre le même moteur que ce dernier. Sinon, un traitement à la Mega Man 9 aurait également été bienvenu, un peu comme dans le staff roll du jeu où l'on voit apparaître un Takahashi tout en pixels se balader sur un fond 8-bit. Ça y est, là. Ça y est. Ça marche. Vous m'entendez, là? Vous m'entendez? Oui? Vous m'entendez? Je suis télépathe. Yes, je suis télépathe. Donc maintenant, nous allons regarder mon souvenir. Yes. Alors, mon souvenir de jeu vidéo, moi, c'est l'Arche du Capitaine Blood. Ça doit être un des premiers jeux que j'avais eu sur Atari ST. Ça a dû être sur d'autres plateformes, j'imagine. Et moi, je l'avais sur Atari ST. Alors, je trouvais ça hyper beau, puis surtout qu'il y avait des petits extraterrestres qu'on rencontrait. Le seul problème, c'est que j'ai jamais rien compris, quoi. Et on avançait comme ça, le truc en filaire, là, ça avançait, puis au bout d'un moment, on rencontrait un extraterrestre qui nous disait un charabia. Et là, je ne savais pas quoi faire, quoi. Du coup, j'ai fait que avancer, je passais des heures dessus, essayer de comprendre, mais voilà. Donc si un jour, si quelqu'un
a compris ce jeu. Je pense qu'il y en a qui ont compris quand même, parce que ça a bien marché, qui m'explique. C'est bon là? Ça marche encore? Donc si ma voix arrive toujours dans votre cerveau, nous allons maintenant regarder Otto avec la belle Caroline. C'est vrai qu'elle est bonne. Faut pas que je pense ça, sinon Pierre-Alexandre va vouloir me péter la gueule. S'il savait que j'avais envie de toucher ses nichons. Merde. Mais si vous entendez ce que je pense, vous devez entendre tout ce que je pense. Mais en fait, je le pensais pas. Hein. Enfin, je pense à rien d'ailleurs, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas, ne pas penser au sexe, ne pas penser au sexe, ne pas penser au sexe, ne pas penser au sexe. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Le mois de mai est déjà bien entamé et le temps se veut de plus en plus chaleureux. Mais il apporte son lot de difficultés comme par exemple les examens. On vient à peine de se remettre de ceux du mois de janvier qui revoilà une nouvelle fournée, mais heureusement qu'il y a plein de concerts et de sorties CD pour compenser. On commence par les releases. On commence les releases avec la compilation J-Visualism 2. Ce disque signé CLG Records sortira en Europe demain et dans cet album, en plus des différents titres d'artistes comme Nine Goats, Blackout ou encore Daisy Stripper qui sont présentés, vous aurez également un DVD contenant 6 clips. Ensuite, nous avons le DVD de Dire en Grès, à savoir le Tour 2008 The World Dreams Again. Je vous l'avais déjà dit, mais c'est un DVD bien rempli et c'est la première sortie du groupe sous le label Okami qui est rattaché à Genshin. Il sortira le 20 mai. Ce même jour sortira également le méga best de Move chez Wasabi Records. Composé de 15 titres du groupe dont l'excellent Dogfight qui cartonne dans Logitop, la présentation est toujours aussi impeccable. Elle est peut-être moins originale que l'édition japonaise, mais il n'y a pas à dire, elle est beaucoup plus classe. Le fameux nouvel album de Kokia, tant attendu par tous les fans, va enfin sortir en France. Cette fois-ci, le packaging semble présager quelque chose de grand. D'ailleurs, le concept de l'album lui-même est assez particulier puisqu'au Japon, deux albums au contenu complètement différent étaient sortis, à savoir Kokia Akiko Balance et Akiko Kokia Balance. On se quitte sur une autre release Wasabi, le très joli music note du deuxième film Death Note. Le premier était déjà sorti l'année dernière et ce CD présenté dans un petit livret ressemble fortement à un objet collector. Cette fois-ci, il est fort probable que les fans de la jeune actrice Toda Erika se jettent dessus parce qu'avec le nombre de clichés de la demoiselle, cela fait presque office de photobook. Côté musique, je me demande si vous aussi vous craquerez sur la piste numéro 6 de cette OST comme moi. On commence les pick-up, une sélection de singles sortis dans la semaine avec le nouveau single de Nakashima Mika. Vous devez normalement tous la connaître pour son rôle dans Nana, vu qu'elle interprète justement le rôle de l'héroïne, Ozaki Nana. Mika a touché de nombreux styles depuis ses débuts en 2001. Elle est passée par la pop, le jazz, le rock et maintenant, selon son site officiel, elle passe à l'électropop. Et je dois reconnaître que c'est un mélange extrêmement réussi, accompagné de quelques sonorités bien nippones comme on les aime, et le tout agrémenté de son timbre de voix que je n'ai jamais eu l'occasion de retrouver ailleurs. Et c'est une jolie balade en perspective. On continue avec
avec un groupe pop-rock très sympa. Il s'agit de Three Plane. Vous les connaissez sûrement puisque ce sont eux qui ont interprété le 16e ending de One Piece avec leur chanson Dear Friend sortie en 2006. C'est un groupe, donc je le disais, très sympa que je vous recommande de découvrir si vous ne les connaissez pas déjà. Et surtout, leur tout nouveau single Aikotoba qui possède quelques tie-ups pour des pubs. Mais tout cela est bien loin de la beauté de cette chanson car même si je suis sûre que la majorité des gens vont la trouver commune et banale, et bah pour moi, elle a un petit quelque chose qui fait la différence. Il est temps maintenant de savoir quelles sont les nouveautés qui vont arriver juste après le hit-up samedi soir. Et cette semaine, une fois de plus, je n'ai pas de feuilles blanches dans les mains, mais j'ai appris par cœur les nouveautés. Cette semaine, entre autres, nous aurons The Transformers avec le clip Silent Moon. Nous aurons également le nouvel HP que vous avez choisi sur le forum de No Life. Et enfin, nous aurons Kaminari, un clip live de Rise, un clip extraordinaire puisqu'il dure en fait 8 minutes. C'est du live, c'est à fond, c'est du punk, c'est du rock. Et au milieu de tout ça, il y a une charmante petite fille qui fait son apparition et qui vient participer au live et qui fait comme ça aussi, c'est adorable. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le montre à la fin de l'émission. N'oubliez pas de voter, c'est important, votez pour le J-Top. À la semaine prochaine, bye bye. Ok, oui, mais c'est salissant. Si on fait ça à la maison, non. Non, faut que j'appelle Poupe pour lui dire que je veux bien, mais chez lui. Voilà. Ouais. Au revoir. Ne pas penser aux zizi. Oh, zut, j'ai pensé.